Salut la famille, ici Arsenic pour Urban Gospel. C'est bon? Ça filme là? Oui, alors, comme disent les Ivoiriens, à l'état civil, je suis Arsène Stéphane Makonga. Mais voilà, je suis plus connu sur le nom de Arsenic, le poison, ça dépend. Alors, qui je suis? Je suis juriste de formation, artiste chrétien, je vis à Kinshasa, je fais du rap, du slam, j'écris, voilà, je fais un peu tout. Je travaille quelque part, je sais pas dire où c'est, mais voilà, c'est un peu qui je suis. Alors, pourquoi le rap? Le rap parce que c'est... Je crois que la musique, c'est un peu comme un langage. Et je crois que quand j'ai un langage, c'est une langue. La musique est une langue et on ne parle pas tous la même langue. Donc je crois que le rap, c'est la langue que je comprends le mieux. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, parlent la même langue, parlent le rap. Voilà pourquoi le rap. Je sais que par le rap, je peux facilement me faire comprendre et me faire et transmettre ce que je ressens et ce que je veux. Alors, message au Congolais, je dirais l'unité d'abord, et aussi vraiment penser à l'intérêt général. Voilà, c'est très important. Et pas être égoïste et penser à son propre intérêt. Et penser à tous dans les décisions qu'on va prendre, dans le cheminement des décisions que nous prendrons, pensons aux autres. Voilà, ce serait ça mon message au Congolais. Alors, les collaborateurs, Urban Gospel, c'est la base, la famille. Yatal Records, c'est mon label, c'est voilà. Alors, j'en profite, hein, on est au Congo, à Liban, les Angratés. Precious Stone, Bills, Adi, Félix, bon, qui d'autre? Il y a d'autres. Jaël, Wizzy et tout le reste. Voilà, c'est un peu dans cette atmosphère-là que je travaille. Je suis signé chez Yatal Records. Voilà. Et depuis presque un an maintenant, et c'est avec eux qu'on chemine, on fait notre petit bout de chemin et Dieu fait grand. Mes projets, alors on a sorti un clip, il y a pas encore une année, mais ce n'est qu'un extrait de l'ombre. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est l'ombre à venir, l'ombre des choses à venir, j'allais dire. Donc il y a des projets sur lesquels on bosse en ce moment, un projet, je sais pas vous dire avec précision ce que c'est, mais des choses très édifiantes, des choses très lourdes, des choses qui vont vraiment nous bénir. Et mot de la fin. Bon, c'est pas le mot de la fin. On est encore au début. C'est pas le mot de la fin, mais je dirais suivez-nous partout, Instagram, YouTube, tout ça. Envoie aussi l'argent s'il y en a. C'est très important, soutenez les artistes, consommez notre musique, consommez et aidez-nous, soyons ensemble et travaillons pour le royaume de Dieu. Et voilà. Ce serait un peu ça mon mot de la fin. Quoi d'autre? Il manque un truc, j'ai l'impression. Urban Gospel, suivez la page. Ils font un travail extraordinaire, donc on fait un travail extraordinaire. Et voilà, ce serait un peu ça mon mot de la fin. Ok. La croix de Golgotha est une torche dans les pires des combres, elle pénètre. Elle t'éclaire sans jamais lever le coche, elle fait disparaître les ténèbres. Jésus-Christ est la lumière qui illumine et élimine l'obscurité qui t'est diminuée. Et voilà que tu culmines dans les kilomètres et l'ennemi. Oh mon ami, oh mon ami, oh mon noté, azaminoté, azoprojeté, asalomabé, asalomabé, et ma plonaillé, et zakiloté. Azakiloté, mais faut y bisser que ma progéné zanaménopause, car si l'ose, te cobille, ça ici rose, par le fait de bon, quand il va se faire arroser. Arrosé.